passer par la suite. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Moi, je suis Touréa Fumashu Banayoko. Je suis la troisième avion tourneur de la commune urbaine de Sikasso. Madame le gouverneur est en déchet. Et au nom du maire de la commune urbaine de Sikasso, Madame le gouverneur de la région est empêchée, Monsieur le préfet du chef de Sikasso, Monsieur le représentant du conseil régional, Madame la directrice de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, Messieurs les directeurs des services régionaux ici présents, Madame la représentante de la CAFO, chers membres du réseau Ouest africain, des associations et organisations de lutte contre les violences basées sur le genre du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Mali, distingués invités en vos rangs, grâce à tout protocole observé. Bonjour. Soyez les bienvenus dans la cité verte du Kénédou. Au nom du maire de la commune urbaine Antéché et de toute la population de Sikasso, permettez-moi de vous souhaiter la traditionnelle bienvenue en cité verte du Kénédou. Soyez les bienvenus. L'occasion qui nous réunit ce matin, qui concerne particulièrement la violence basée sur le genre, est un point qui tient sincèrement à cœur aux autorités de la commune urbaine de Sikasso. C'est pourquoi notre accompagnement ne fera pas défaut pour vous accompagner, vous assister dans cette noble mission que vous êtes en train de faire quotidiennement pour le bonheur des femmes et des filles de nos différents pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je le disais à l'entame de mes propos que nous souhaitons la bienvenue et nous vous proposons, nous vous souhaitons un agréable séjour, un séjour chaleureux, un séjour rempli de donner et de recevoir pour que la cause de la femme puisse être une réalité. Qu'Allah nous assiste et nous aide dans nos actions de développement. Une fois de plus, honneur du maire de la commune de Sikasso, soyez la bienvenue en cité verte du Kénédou. Bonne séance de travail, bon séjour à vous toutes et tous qui avez laissé tout ce que vous avez de plus cher pour venir au Mali, participer avec les soeurs du Mali pour concomitamment lutter contre les violences basées sur le genre. Qu'Allah vous le rende au sanctuaire. Je vous remercie. Ah, bismillah, c'était vers Kélénou, bisous, madame. Et pour Antier-Aweré, avec vous, là, c'est la gouverneure, hein, à ma quelle somme, mais avec vous, le Kélénou, la somme. Ka foli se an ka conseil régional ma, ka foli se an ka maire ma. Na asile ma kera ba muso ta fe tigi de lo, an me foli kere gen nda ma. Ka foli kere gen nda sa an ka promotion an dret misi pan ma. Ale ni ente, du bala nou komanse la kopi, ama zige ale chou 20 er, ou yan solo nou an bolo. An me foli da ma, an ka chese la, an ben ti. Ka foli de an ka Amazon ma. L'Amazon de Kénédou, nous est une île d'année, année, nous sommes frontières, car d'accord, car vous voyez, car à ma tâche, on a ces animaux, et nous pouvons les garder en dame. Nous avons un chat, un caran, un caran, un malheur, un animal, un cigare, un caran, un malheur. Vraiment, un peu de bon, faire un peu de bon, faire un peu ma chama dele bulu bila fo kama soronga presenti baere de kenaka ni ale a bila romna ambe ba ko fe ambe furi do ni se ni awma
Donc vraiment, mes folies là sont marquées. Donc dans quel effet, d'abord dans quel effet, nous et Peter Naka délégation, au Ghana aussi. Mes folies là c'est quoi du Ghana? Quoi du Ghana? La délégation bien. Quoi bismillah? Ami quoi du Ghana? Ambe d'Akinéya. Ami frontière de, la frontière de Nigeria, la frontière de Sénégal. Là pour le Ghana. On va aller dans la dernière décennie là pour qu'on ait une nouvelle équipe. Donc vraiment, en fait, avec la nouvelle Burkina, on sait qu'on fait fort. Parce que nous avons un bon travail. Ah, attendez, nous avons un bon travail. Nous avons un bon travail. Le Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana et le Mali, on va nous faire un bon travail. Quand la Djamana, on va aller au Niger. Pour faire un bon travail, on va faire un bon travail. Mais fait pas de le conformer, nous n'aurons pas qu'à faire. En fait, nous n'aurons pas de mais depuis sans savoir, au bas de l'école, nous n'aurons pas de pour que nous n'aurons pas de Djamana, nous n'aurons pas de Nice, pour nous coûter, pour nous n'aurons pas de nous n'aurons pas de nous n'aurons pas de nous n'aurons pas de vraiment, comme à Tchèce, les mêmes nous sont barres, nous n'aurons pas de 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 nous Ayaï la carrefour, en a gouverneur de vie, barat d'amena, promotion stylée de la prochaine à témoin à Massoumoué. Allez, 600 avec voilà quand vous le coupez, c'est ça ou la roue à la fouille dans la rue en faqua. Bonne à en fa, ou y a donc carrefour en belle et l'effet là, Afrique de l'année. En a la série pour en améwal Bodjama, en pour un Canada. Ou elle m'a sorti, mais en boulot, avec la preuve de fichier. Vous pouvez même les saluer, Djamana Tokoul. Donc, en un plan, on a pouvoir, en un barraque, on a pouvoir. Avec un effort, nous nous dénorons. En un barraque, oui. Car, en nous, nous avons un chambre à Djamata Kono. Donc, nous sommes là, 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 avec le micro de la présidente de Bamabi, à la Kennedy. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. La représentante du gouverneur de la région du Kédébou, c'est ça? C'est ça. C'est madame la représentante également de... Voilà, madame la directrice de la promotion de la femme, de Ficasso. Ensuite, monsieur le chef de la division. Toujours de la promotion de la femme, c'est ça? Ok. Madame la vice-présidente du réseau ouest-africain des associations et ONG de lutte contre les violences basées sur les genres, vice-présidente de la région du Mali, la région de Sikasso. Chère délégation venue de Burkina Faso, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, mesdames, les ex-exciseurs, ex-ciseuses venus du Sénégal, du Burkina, du Mali, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités à mon titre grave et respectif, permettez-moi, je dirais dans le bonjour, et permettez-moi d'abord, avant de continuer, de vous dire. Vous présentez la délégation qui m'accompagne, la forte délégation venue des différents pays, les cinq pays. Alors, et je dois vous dire que nous sommes arrivés hier, mais les activités ont commencé depuis le 14.
j'allais dire même de 12, parce que le zoo ouest africain, des associations ONG de lutte contre les violences basées sur le genre, est constitué de 13 structures, de 13 structures des 5 pays. Et le réseau est conduit sous le leadership de l'association pour la promotion féminine de Gawa au Burkina Faso. Donc moi, je suis la directrice. Et les qui luttent pour, d'une manière ou d'une autre, pour l'épanouissement social de la femme pendant plus de 30 ans. Dans son évolution, dans sa réflexion, elle a pensé qu'il fallait une synergie dans son pays et aussi dans la sous-région. Les activités qu'elle mène l'ont amenée à quitter le pays, donc à faire de cette lutte contre les violences basées sur le genre une lutte transfrontalière. Et c'est ainsi que nous avons créé le réseau ouest africain de l'association évoluée de lutte contre les violences basées sur le genre en 2021, qui a été reconnu en 2021 avec le plein de CPC qui est Burkina Faso, mais qui regroupe les 5 pays. Alors, dans les 5 pays, je vais commencer par le Burkina Faso. Je vais demander à ma délégation de se mettre debout, la délégation du Burkina Faso de se mettre debout. L'association Maya, qui est à Bougou-Dioulasso. Bon, je présente quand même la délégation Kabi, qui est de la PMG, mais qui fait le travail du réseau. Ensuite, Yul Ali. Bon, présentez-vous, hein, je ne vais pas faire le... Bénédicte, allez-y. Voilà. Salem Bénédicte de l'association. Oui. Baro Magna, président de l'association des jeunes filles. Des jeunes filles, voilà. Sommé Kambou Brigitte. Oui, association des... Club de football féminin du Sud-Ouest. Madame M. Vivian, chargée des finances pour voilà, du réseau. Bien, Thibault, animatrice. David Bosserat, animatrice. Yévana. Yévana Moudajustine, rue Bantaye-Burkina. Je représente la présidente. C'est une autre région. Okay. Bougou, c'est une autre région. Elle existe une autre région. Voilà. Donc, c'est une autre que dans les pays, même, on a toujours au travail avec toutes les régions. Mais ils sont membres de nous. Ensuite, je vais passer à la délégation sénégalaise. Alors, au Sénégal, nous avons également une vice-présidente, qui est Aminata Diaw. Donc, elle va présenter aussi les gens qui la accompagnent. Mariam Kegla. Je suis Madame Touré, présidente de l'association des groupes au Sénégal. Et c'est la vice-présidente du réseau. Maintenant, c'est la délégation ivoirienne. Là-bas, on se porte les femmes. Ok, bonjour à tous. Je suis Billy Jonas de l'ONG Les Flamboyants Côte d'Ivoire et je représente aussi la délégation. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Dark Nava Champion. Je suis de l'ONG L'Étoile de Bunkamu. Je représente ici mon président. Voilà, le vice-président, au point de voir aussi le vice-président. Voilà, bonjour à tous. Je me nomme Yann Yungbeti. Je représente l'association Karasegre. Et il y a une autre affaire. Bon, elle était rentrée hier parce qu'elle ne se sent pas bien. Tout ça, c'est la délégation ivoirienne. Là-bas aussi, il y a un vice-président. Okay. Good morning, bonjour. Moi je suis Dr. Ndaomi Peter, directeur de Pan-African Organization for Research. Nous sommes dans le réseau ensemble, notamment l'organisation fait le travail en Côte d'Ivoire, Ghana et Cameroun. Je suis ici avec mon collègue. Good morning.
Je suis Lydia, Valentine Fojo. Je travaille avec CDA Ghana, représente le canton. Le vice-président, c'est Canton, dont elle représente le conflit, qui est malade aussi, qui est un peu souffrant. Voilà. Au Mali, on a aussi deux structures. Hein. Donc la délégation malienne, tous ces gens-là sont venus du Burkina, ils sont venus à suivre. Ok, bonjour tout le monde. Moi, c'est Madame Konaté. Je suis de l'ONG Groupe Action pour l'enfance au Sahel. Notre siège, c'est à Bamako. Vous présentez les études, elles vont se présenter. Elles vont se présenter. Alors, après, oui. Bonjour tout le monde. Je suis à Santa Je suis passé le commune. Je suis là pour vous. 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 Bonjour tout le monde. Moi, c'est Drissa Fodé. Je suis le directeur de l'ONG Groupe Action pour l'enfance au Sahel, GAE Sahel. C'est un plaisir d'être avec vous ici à Sikasso. Le Kénédougou, la capitale historique et légendaire de toutes les coutumes. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Saïdé Guindo. Je suis membre d'AFERSI, Association des femmes rapatriées de la Côte d'Ivoire, c'est au Mali. Nous sommes membres de l'ONG. Merci. A été créé en 2021. Et donc, trois années d'expérience sur le terrain, comme ça s'appuie sur le leadership, l'expérience de l'association pour la promotion féminine des Gawa. Donc il y a une activité qui nous réunit et chaque année, c'est le forum des femmes, qui était un forum régional au Burkina Faso et grâce au réseau, c'est devenu un forum sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. On se retrouve tous. Donc, vous voyez, depuis le 14, comme je l'ai dit, le 12, la délégation du Sénégal a visité, venu dormir à Bamako. C'est long, arriver à Bamako, dormir et aller à Gawa. Et nous avons commencé les activités de formation des exciseuses. Mais pourquoi cette formation? Parce que nous avons déjà eu l'activité qui va se mener demain ici, à savoir la reconversion des exciseuses. A abandonné totalement. Nous avons mené cette activité en 2022 en Côte d'Ivoire, en collaboration justement avec ces structures qui viennent de se présenter, et nous avons pu avoir 15 exciseuses là-bas. En 2023, nous faisons des rencontres de façon tournante. Donc, nous l'avons fait à Oua, au Ghana, et nous avons eu aussi 15 exciseuses là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes à Sikasso, au Mali, pour les mêmes activités. Mais donc ces excuseurs qui sont venus, et excuseurs, parce qu'il y a des excuseurs, eux on les a laissés à Bobo, c'est grâce à l'association Maya. Donc on a mené des activités de formation, de renforcement des capacités de ces excuseurs et excuseurs du 14, 15, 16 au Burkina, à Gawa. Parce que tout à l'heure, quand on saluait les notables, le chef là a dit quelque chose. Il ne faut pas que nous abandonnions nos valeurs culturelles. Et c'est pour cela qu'au niveau de la BFG, en tout cas, nous disons quoi? Il vaut mieux convaincre au lieu de combattre. Et c'est ce que le réseau a compris. Et c'est ce que les structures ont compris. C'est ce que les cinq pays ont compris. Et donc, les cinq pays ont envoyé les excuseurs et les excuseurs qui ont suivi cette formation pour comprendre. Nous voulons seulement convaincre. Convaincre pourquoi? Cliniquement parlant, on sait que l'excision n'est pas une bonne chose. Ça, au point de vue santé, au point de vue moral, psychologique, tout ça, nous le savons. Donc il fallait que celles-mêmes qui font cette opération puissent comprendre comment est le corps de la femme. Comment ça fonctionne,
Avant du moment qu'ils comprennent cela, je pense que c'est là qu'on peut parler d'abandon total de la fraternité. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, l'étape suivante a été quoi encore? Déjà la semaine passée, le 17, les 5 pays ont déposé les poutons au musée de Gawa, au Burkina Faso. Ça voudrait dire quoi? C'est pour dire que c'est de l'histoire ancienne. Parce que nous avons compris. Donc nous sommes convaincus maintenant que ce n'était pas une bonne pratique. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle que c'est une culture occidentale que l'on vient pour de là. Et c'est pour ça que nous avons étape par étape convaincre au lieu de combattre. Nous nous combattons. Nous avons des valeurs qui sont, nous sont chères et que nous prenons, que nous souhaitons même l'accélération de ces valeurs parce que nos jeunes aujourd'hui, bon, il faut dire que les parents ont démissionné depuis longtemps, on n'a pas transmis tout ce qui était les bonnes valeurs, les bonnes pratiques, les bonnes initiatives développées. Aujourd'hui, je pense que grâce à Burkina, Mali, Niger, nous sommes en train de revenir sur ces choses-là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour aussi faire le bilan des activités menées par le réseau ouest-africain des associations et organisations de lutte contre le bilan maliste. Et ce qu'on appelle l'Assemblée générale ordinaire. Donc nous le faisons aussi de façon tournante. Comme je l'ai dit, on l'a fait au Burkina en 2021. En 2022, nous l'avons fait au Ghana. En 2023, nous l'avons fait au Ghana. Non, c'était à Côte d'Ivoire. En 2022, en 2023, nous l'avons fait au Ghana. Et aujourd'hui, en 2024, nous faisons ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au sorti d'ici, nous commençons avec l'Assemblée générale ordinaire et le divers. Donc c'est pour dire quoi? C'est de façon tournante. Donc, de façon tournante. L'année prochaine, ce sera au Sénégal. On aura bouclé la boucle des 5 pays. Donc c'est pour vous dire que l'objectif, c'est le même. C'est l'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants, des jeunes, de la société. Parce que quand une société, les capacités d'une société sont renforcées, bien ça se fait convaincu des droits fondamentaux, je crois que ça va, l'épanouissement de la société, ça devient une affaire d'appropriation, une affaire pour tous et dans ce cas. Et l'objectif, en tout cas, du réseau, c'est améliorer les conditions de vie des femmes dans tous les domaines. Et aussi faire prôner les droits des femmes, lutter contre les violences basées sur le genre, la réduction des inégalités. Donc je n'ai pas tellement grand chose à dire, c'est juste en tout cas accepter que nos remerciements, nos vifs remerciements au gouverneur de la région du sud de Sikasso, parce que depuis hier, nous sommes arrivés la nuit, mais il y avait toute une fonte. De façon des autorités venues nous rencontrer à la frontière. Je pense que c'est beaucoup. Après, ça mérite un applaudissement, s'il vous plaît. Et vous avez le bonjour de tout le monde, parce que notre gouverneur suit aussi, il devait être là. Et cette semaine, nous commençons la Semaine nationale de la culture au Burkina Faso. Et je dois vous dire que le forum, la 12e édition du forum que nous avons eu à mener au Burkina et qui a réuni tous ces gens, et nous sommes arrivés ici, c'était sur culture et tradition. La prévention, quelle prévention de lutte contre les violences basées sur les, de contre l'extrémisme violent et les violences basées sur les gens en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc c'est sur ce thème-là que nous avons réfléchi et aujourd'hui nous sommes ici. Donc, il y a eu pas mal de recommandations. Nous avons fait la clôture donc le 20 et le 21 hier, on a pris la route ici. Donc vous comprenez que vraiment, nous sommes en train d'accélérer le processus. Parce que pendant longtemps, on a sensibilisé, mais maintenant nous sommes à une phase d'accélération du processus de réduction des inégalités des droits de femmes, que ce soit une réalité. Voilà. Donc vraiment, nous sommes contents parce que même madame, la directrice de la promotion de la femme, tous ces gens-là étaient hier là-bas, à la frontière pour le Burkina. Et vraiment, ça nous va droit au cœur. Au nom de toutes les délégations ici présentes, vraiment, nous vous disons merci, que vraiment Dieu nous accompagne. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, quand le cœur ne va pas, le pied ne va pas non plus. Si vous êtes venu jusqu'à la présence, j'ai écouté tout à l'heure madame, la représentante de la commune. Vraiment,
nous savons que le cœur y est. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de dire, ça va de soi, parce qu'on les a vues hier à l'arrivée. Alors qu'on pouvait nous rencontrer ici seulement à l'entrée du stade. Vraiment, merci, un grand merci. Merci de la cuisine. Nous avions d'autres choses, en tout cas de très urgent, il fallait vraiment y faire face. Désolé pour le retard. Après l'intervention liminaire de Mme la présidente du Roi LBG, nous allons maintenant donner la parole à Mme la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Sikasso. Au nom du gouverneur de la région de Sikasso, pour le mot d'ouverture. Donc, Mme la directrice régionale, vous avez la parole. Merci pour la prise de parole. Je dis bonjour à tous et à toutes qui ont pris sur leur temps pour venir à cette rencontre. Monsieur, Madame la gouverneure de la région de Sikasso, Monsieur le préfet de Sikasso, Madame la représentante du maire de Sikasso, Madame Yalia Keita, Madame la présidente du réseau ouest africain de lutte contre les violences basées sur le genre, et toute la délégation qui l'accompagne ce matin à Sikasso, je leur dis bonjour, bienvenue et bon séjour. Au revoir. La rencontre de ce matin me va droit au cœur. Hier soir seulement, mon ministre m'a téléphoné pour me dire que l'invitation les a parvenue. Il compte sur moi parce qu'ils sont vraiment acculés là-bas. Ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est pourquoi ils ne sont pas venus. Et tout un acte. Peut-être en vous présentant leurs excuses. Nous avons une forte délégation à Sikasso aujourd'hui. Une délégation vraiment considérable. La délégation du Burkina Faso. La délégation du Sénégal. Celle de la Côte d'Ivoire. Du Ghana, ajouté aux exerciceurs qui sont partis au Burkina Faso pour leur formation et qui ont accompagné aussi la délégation. Je vous dis tous bonjour et je vous souhaite un très bel séjour à Sikasso. Quand nous parlons de la violence basée sur le genre, c'est la promotion de la femme. Parce que le but de la promotion de la femme, l'objectif même, c'est d'avoir une population, le bien-être même de la population. Et ce bien-être ne peut pas aller sans beaucoup de choses. Il faut le bien-être. Si nous parlons des exigeuses, les exigeuses sont venues comment? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quel est leur apport? Mais quels sont les méfaits aussi de l'exclusion? On en a parlé. On continue à sensibiliser cette population qui ne sait pas que vraiment, quand Dieu donne quelque chose, il ne faut pas l'annuler. Madame la présidente l'a dit tout de suite, il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup de choses pour qu'il y ait un jour violence zéro.
est-ce que nous pouvons avoir la violence zéro? On espère, en tout cas, la promotion de la femme est en train de se battre, de sensibiliser, d'informer cette population qui a besoin aussi de bonnes informations. Il ne s'agit pas d'informer pour informer, mais il s'agit de donner la bonne information. On va continuer à donner cette information. Je sais que Burkina seulement n'est pas là, Sénégal n'est pas là. La population de Sigasso vous accompagne. La promotion de la femme aussi vous accompagne. Ce sont ces gens qui sont derrière. Ils peuvent se lever pour que vous les voyez. Ce sont des travailleurs de la promotion de la femme. Nous avons les services locaux. Nous avons la maison de la femme. Et nous avons la direction aussi de la promotion de la femme. Nous sommes venus vous accompagner. Nous sommes venus vous tendre la main. Nous sommes venus nous ajouter à vos efforts pour qu'il y ait beaucoup de bonnes choses. Nous avons commencé ce travail ensemble et nous allons continuer jusqu'au bout pour qu'on ait toujours la bonne information. La promotion de la femme ne va pas se lasser un seul instant parce que cette communauté a besoin d'aide pour la sensibilisation, comme la présidente l'a dit. Je sais que les étudiantes qui sont venues, elles se sont présentées tout de suite qu'elles ont laissé le couteau. Ce sont de beaux mots à l'oreille. Vraiment, ça nous gêne encore. Que ces étudiantes qui ont laissé leur couteau donnent l'exemple à la population. Il ne faut pas qu'elles laissent le couteau et qu'elles restent comme ça, qu'elle s'ajoute à ces lots de sensibilisateurs pour dire à cette population que nous le faisons, mais nous avons arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Les méfaits, on les connaît maintenant. On les connaît, c'est pourquoi on a cessé. Toujours l'espérance en plus. Donc, je profite de ce micro pour dire à tout un chacun de réunir tous les efforts et de continuer à sensibiliser pour qu'on ait zéro violence en 2030. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon séjour pour votre activité. La séance est ouverte. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je ne dois pas parler après ce que la directrice dit, mais. Comme je l'ai dit, nous sommes en Afrique, nous sommes dans une dynamique de résilience, de partenariat, de refondation, de souveraineté. C'est pour dire quoi? C'est toujours les remerciements parce qu'il y a l'énergie, il y a l'effort, il y a tout ce que ça suit. Je voudrais au nom de tous les autorités ici présentes, très importantes, et à votre nom, après tout ce que nous avons dit, remercier également les partenaires techniques et financiers. Parce que ces partenaires techniques et financiers attendent quoi? Qu'il y ait l'appui, l'accompagnement des autorités des différents pays, des structures, des personnes aux ressources, pour qu'eux qui viennent au Ténat vont soutenir. Donc c'est pour cela que j'ai gardé ces remerciements à leur endroit. Après tout, vous avez bien entendu ce que Madame la représentante de Madame Gouverneur et de la commune. C'est très important parce que nous sommes dans leur commune. Nous sommes dans la région du gouverneur de la région de Sikasso. Alors, je m'en vais dire merci à votre nom, à Diakonia. C'est eux qui ont permis qu'on nous l'écart et qu'on les transporte tous ces mots. Parce que c'est deux activités et ce ne sont pas les mêmes. Et
remercie Pain pour le monde qui soutient également la rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Assemblée générale ordinaire du réseau ouest-africain des associations de l'ONG de l'ONU contre les violences basées sur les genres. Merci beaucoup, c'était juste ça. En remerciant tous les partenaires ici présents, les prêtres de Gouin, le gouverneur de la région de Sédasso, le préfet, le maire, tout et tout, les bonnes volontés, je lui remercie, merci et bonne activité. La séance est toute fermée. Merci beaucoup. Merci. Dr. Ndongi is the director of Pan-African Organization for Research, Association of Violence on Women and Children from Ghana. We are here today in Mali, in Sikasso, in Mali for the AGM of our network, and also to work with the women who are, you know, carrying out female genital mutilation to be able to drop down their doors and be able to allow women and girls to go to achieve their full potential in life to avoid this cutting. So this workshop and this forum is purposely to, you know, to minimize the spread, the cutting of women genitals in the form of what they call FGM, which is a traditional practice, which is being practiced here in Mali, is practiced in Burkina Faso, is practiced in part of Ghana, is practiced in Cote d'Ivoire and other, and Senegal and so on. So that they should know that this is actually so bad as far as women's health is concerned or girls' health are concerned, because many people or many girls who go through this type of challenges suffer a lot. Some of them may attract sicknesses or illnesses that will later on be fatal, and some of them even die in the process of this cutting. So we came around with our network, and which have been existing for long, to ensure, to sensitize people that FGM is not acceptable, is not a right for people to go and, you know, subject women or young girls to such an act, because it's violence. And so normally we want that those who are practicing it should drop it down, because that's a violation of human rights. And so that all of us should come together, condemn it, and make sure that some this type of practices in our culture should be revised, and women should be able to, you know, live their normal health, life with good health, free from FGM. And equally, we here to minimize issues of violence extremism, because violence extremism has negative impact on gender-based on gender on women, and is also part of gender-based violence. As long as women's rights have been violated or kidnapped or so on, the abuse continue from there. Most of them don't go to school, and then when they don't go to school, some of them are even subjected to more FGM, female genital mutilation, and so on. So this network has been existing for the past 3 or 4 years now, and the aim is to make sure that we bring all stakeholders in all the countries that we are working in sub-Sahara Africa to understand that FGM is violation of women's rights. Violent extremism will never help us to go further anyway ahead, and it's also a factor of perpetrating gender-based violence, so that it should come to an end. That is why we are here today, and it's work that all of us in our organization are doing, because my organization is also specialized in, you know, minimizing all forms of gender-based violence and to empower women and girls to across Africa to be able to achieve their full potential. Thank you.